Mais wesh, wesh, c'est clairement de l'arnaque là. C'est de l'arnaque. Wow, wow, les gars, c'est plus choco mais choqui. Il n'y a pas à être aussi cringe comme ça. Les amis, comment ça va mes petits Choco Pops? Aujourd'hui, tout nouveau concept, je vais tester la marque des youtubeurs que vous connaissez et qui sont connus. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je vois tout le monde sortir sa marque. Lena Situation, Michou, InoxTag, tout le monde. Et donc pour vous, je vais tester la marque de ces youtubeurs et influenceurs en étant la plus transparente possible. Et même au niveau du prix, je vais voir si ça vaut le prix ou pas. De toute façon, vous allez voir dans cette vidéo avec moi, on va découvrir ça ensemble. J'espère, avant que les vidéo débute, que vous êtes bien installé dans votre petit canapé. Petit aparté avant que la vidéo débute, j'aimerais vous remercier, vous êtes presque 1 million sur cette chaîne, on arrive bientôt à 900 000, donc merci à toutes les personnes qui cliquent sur le bouton là, s'abonner, qui mettent les pouces bleus, ça fait trop plaisir. Vous savez quoi, je vais appeler un abonné sur Instagram et je vais lui proposer de donner l'objectif de pouces bleus. Vous savez quoi, c'est incroyable. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer un message là. Hey, Choco, oublie pas de live, Choco le live. Je vais l'appeler, je vais lui dire que je suis en vidéo, c'est pour ça que je live pas. Parce qu'en ce moment, je suis en live sur Twitch. Mon Instagram s'affiche à l'écran, si vous voulez vous abonner à mon Instagram. Allô? Allô? Coucou, ça va? Oui, je suis en vidéo, c'est pour ça que là, il n'y a pas de live. Mais j'aimerais là te poser une question. Oui. Donne-moi l'objectif de pouce bleu de cette vidéo. Je dirais 7000. 7000 pouces bleus pour cette vidéo, pas plus, t'es sûr? Oui. Ok, 7000 pouces bleus. Attends, là je suis en train de passer dans ta vidéo. Oui, tu passes dans ma vidéo là. Ah, je suis trop contente. Bah, tu veux faire un petit message? Oui, abonnez-vous à Choco. Oh, t'es trop mignonne. Bah vas-y, je te fais des gros bisous, fan de Choco ma vie. Bisous, à tout à l'heure. Bisous. On va commencer avec la première marque d'un youtubeur que vous connaissez, Mister V. Combien il a d'abonnés, Mister V? Il a 6 millions d'abonnés. Bah voilà, 6 millions d'abonnés et juste ici, la pizza de la mama. Alors là, vous allez clairement poser plein de questions. Comment ça se fait qu'il y a de l'huile, etc. Je vais tout vous expliquer, mais avant qu'on goûte la pizza de la mama pour voir si c'est vraiment la pizza de la mama ou pas, si elle est pas bonne. Avant que la vidéo débute, on fait quoi, Choco, Choco? Choco, balance la pub! Quand la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite, C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Alors, la pizza de la mama, Mister V l'a commercialisée partout, dans plein de magasins, dans les boutiques, dans tout ce qui est centre commercial, Carrefour, Auchan, etc. Et il faut savoir que j'ai entendu que du positif sur cette pizza. Est-ce que après c'est vraiment vrai ou pas? On va déguster ça ensemble. Vous allez sûrement vous dire, mais pourquoi, ouais, Choco, il y a de l'huile? T'as fait quoi avec la pizza? C'est simple. Bah, du coup, j'ai dû la cuire et ma soeur avait faim. Donc, ma soeur a pris la moitié de la pizza et elle m'a laissé la moitié. Attendez, je vais vous la montrer. C'est pas la faute de Mister V si elle est comme ça. Là, elle a l'air d'être pas du tout appétissante, mais c'est juste parce qu'en fait, elle a refroidi. Donc, si je la chauffe, je pense qu'elle sera un peu plus belle. J'ai trop la flemme de couper une part, donc je goûte, je tape ça. J'ai peur. Mais oui, il y a rien, wesh, c'est une pizza. Il y a 6 fromages, c'est une pizza 6 fromages. OK, je goûte alors. 3 2 1. C'est délicieux. Franchement, c'est délicieux. Il y a un goût de fromage incroyable avec la sauce tomate et il y a même un petit peu de basilic. C'est incroyable. Je pense que... Attendez, mais là, c'est une dinguerie. Juste, la pâte, je l'ai trouvée giga épaisse, mais je pense qu'elle est sec à cause, bah, du coup, à cause du fait que l'huile est passée ici. Mais franchement... Je jure, elle est incroyable. Je fais de l'ASMR, pardon. Elle est trop bonne. Alors qu'elle est froide, hein. Je pense que littéralement, ça peut taper une pizza faite par un pizzaiolo. Je suis en train de la taper, là. Elle est si bonne. Mmh. Ouais, Choco, ça y est, dose, non? Tu vois, je vais tout manger. C'est le dernier croc. Promis, c'est le dernier croc, on passe au prochain. C'était incroyable. Alors là, les prochaines marques, elles vont en avoir du fil à retordre. Parce que là vraiment, je mets un 10 sur 10 facile, un 20 sur 20 facile, vraiment. Et là, j'ai trop envie de la taper, mais non. Il y a des choses encore à goûter, il y a encore des choses à tester. On passe à la deuxième influenceuse youtubeuse qui est Lena Situation. Je sais pas si vous la connaissez. Lena Situation, qui est grave connue, elle a ouvert son hôtel, une sorte de boutique où elle vend sa marque de pull, de t-shirt, de jogging. Elle a aussi des décorations et tout. Et moi, en l'occurrence, j'ai vu un truc qui m'a tapé dans l'œil. Évidemment, vous connaissez votre Choco, bah je suis Choco. Donc moi, tout ce qui est Choco, ring, 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 c'est, ça m'appelle. Je viens de commencer la vidéo, j'ai une pizza et là on passe à quoi? Du chocolat. Lena Situation vendait sur son site du chocolat. J'ai voulu acheter une tablette de chocolat, j'étais trop dégoûtée, rupture de stock. Donc Choco ne peut pas prendre de chocolat. Sauf que j'ai trouvé un seul truc qui restait dans sa catégorie chocolat. Ça, je vais vous montrer ce que c'est. Deux instants, je l'ouvre.
Juste, j'aimerais savoir pourquoi il y a autant d'emballage pour ça. Donc voici ce que c'est. C'est un chocolat au lait. C'est une sorte de cuillère chocolat au lait qui se trempe dans du lait chaud pour faire du chocolat chaud. Je me suis dit pourquoi pas acheter ça. Je vous avoue qu'il y a juste un truc moi qui m'a fait bon. Ça me fait chier un peu. C'est pas de la faute de Lena Situation, c'est le prix. Ça m'a coûté 5 euros. Frais de livraison, 5 euros. Du coup, j'ai payé 2 euros pour ça. J'espère que c'est bon. On va tester. Moi, j'aime trop le chocolat. Alors franchement, j'espère que ça va être bon. Étape 1, mettre du lait dans un mug. 2, le mettre à chauffer. 3, ajouter la cuillère et mélanger. Ça m'a l'air d'être pas mal du tout. J'avoue que là, ok, donc j'ai juste avec moi. ASMR. Ça y est, depuis que j'ai fait de l'ASMR, je suis trop investie. Le mettre à chauffer. Donc il faut que je mette du lait dedans. Ok, je mets un peu de lait. J'espère vraiment que ça va être bon. De base, je suis pas une très grande adepte de lait au chocolat. Mais quand c'est des bons laits au chocolat bien faits, je kiffe. Donc vous savez ce que je vais faire pour être sûr que le chocolat soit bon. Je vais quand même goûter le chocolat au lait d'abord, un petit bout. Et après, je le mettrai dans le lait. Ah, c'est bon, tout va bien. Pardon pour vos oreilles. Oh, je me suis tué l'ongle. Heureusement que mon ongle s'est pas cassé. Vous imaginez là, mon ongle serait cassé. Le titre, ça aurait été je teste la marque des youtubeurs. Ça tourne mal. Et c'est vraiment genre un chocolat. Sans chocolat au lait, je goûte. Ouais, ça va. Franchement, là. C'est pas incroyable. C'est bon, c'est du chocolat au lait. Genre, il y a pas d'un truc de spécial. Je mets le lait à chauffer, j'arrive, ok. Je prends mon téléphone parce que je suis accro à mon smartphone. Restez sage, hein. Ah, ça brûle. Quelle conne. Pardon pour vos oreilles. On va tester le chocolat au lait, le chocolat chaud. Pourquoi vous me regardez comme ça, en fait? Nous avons le petit chocolat, nous avons le petit lait. Écrémé, oui, j'ai clairement un pull Fortnite. On peut officiellement dire que je suis une gameuse. Je trempe le chocolat. Je vous montre comment ça rend. Bah oui, vous faites pas attention au tapis, hein, c'est sale, mais on s'en moque. On se concentre sur le lait. Ok, ça ne rend de fondre. Oh, ça commence à fondre. C'est trop satisfaisant par contre. En attendant que ça fond au montage, je veux une musique là. Et ça fait bim, bam, boum, ça fait psh, et ça fait boum. On arrête parce que sinon je vais me faire démonétiser. Désolé. Oh, ça fait un chocolat chaud. Je le jure, c'est trop stylé. Bah c'est le but en fait, Choco. C'était bête ou quoi? Okay, j'ai trop envie de le croquer là, le chocolat. Là c'est doux. J'avoue là, le chocolat fondu là, c'est trop doux. Et maintenant, on n'a plus qu'à touiller. Et voilà, maintenant, je vais le goûter. J'espère que c'est bon. 3, 2, 1, c'est parti. Le résultat. C'est trop bon. Au début, j'aimais pas trop. Je faisais une tête un peu bizarre. Mais en fait, c'est parce que le chocolat, il est tout au fond. Et c'est trop bon. Moi qui de base n'aime pas le chocolat chaud, franchement, ça passe crème. Je me suis dit, 10 euros, ça me fait chier d'avoir payé 10 euros pour un petit bout de chocolat. Mais en vrai, ça va. C'était très bon. Je suis satisfaite. Lena Situation, bravo. Pour le moment, là, il y a un sans faute. Les gars, il y a un sans faute. Alors là, le prochain objet, faut vraiment pas que ça loupe. C'est le jeu de société de Michou. Le petit Mich, il a créé un jeu de société. Ça s'appelle Foot Time et c'est un jeu aussi du foot. J'en ai entendu parler que dans sa story Instagram. De base, moi, je suis pas une très grande fan de jeux de société. Genre, vraiment, je joue qu'au Monopoly et au Uno. Et je me suis dit, pour le coup, pour cette vidéo, il faut que j'achète. Là, on peut voir Michou et là, il y a Esteban. Et le petit Timout est ici. Alors, j'ai pas trop compris les règles du jeu. Je vais les lire avec vous. Hein. J'espère que c'est pas un flop. J'espère, Michou. Impose ton style. Attaque et défends avec tes meilleures cartes. Marque un maximum de buts pour ton équipe et remporte la victoire. Minimum d'âge, il faut avoir minimum 8 ans. Vous avez minimum 8 ans, rassurez-moi là. Ok, bah ça promet. On va ouvrir. Moi de base, je suis pas trop foot. Je vais être honnête. Moi de base, je connais que Neymar, Cristiano Ronaldo. Si, si. Et c'est tout. Et Messi, et Mbappé, et la meuf elle va citer tous les blases des footballeurs, je suis morte. Ok, j'ouvre. Alors on a les règles du jeu, et on a le plateau qui est pas mal. Ok, il est bien grand le plateau. Je crois que j'ai capté les règles. En vrai, je vais pas tout déballer, je vais pas lancer une game parce que je peux pas, ça se joue à plusieurs. Mais en vrai, là, de ce que je vois, ça me paraît simple et ça me paraît assez sympa. Ça me donne envie d'y jouer. Je vais être honnête, quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, oh non, ça se voit, ça a l'air d'être bourbier. En ça, là, il y a vraiment que 3 trucs. Donc franchement, je pense pas que ce soit un flop. Je vais tester avec ma famille, avec mes cousins et cousines, et je vous dirai mon avis parce que là, je peux pas trop être objective parce que j'ai pas testé le jeu. Je vous ferai une story Instagram, mais en vrai, ça me paraît pas mal. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran. Mais bravo, Michou. Bravo. Pour le moment, ça va, hein. Pour le moment, on a allumé encore aucune marque. Est-ce que ça va être le contraire dans quelques minutes? Eh ben, nous le saurons dans un instant parce que c'est la coupure pub. Voilà, il faut bien rentabiliser tous les achats que j'ai faits. Désolé, je vous cale une pub maintenant. Alors, vous avez eu la pub? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si là, vous avez une pub. J'en remets une, juste pour le fun. Là. Encore. Non, mais c'est faux, évidemment que non. La meuf qui veut pas s'arrêter, elle veut gagner de l'argent. La YouTube Money! On passe au premier objet. Je suis un petit peu deg d'un truc. J'ai acheté, je sais pas si vous voyez le bouseux. J'aime beaucoup son contenu. J'avais acheté un petit
petit t-shirt comme ça, il est très mignon, genre c'est un oversize. Et malheureusement, je l'ai pas reçu pour le tournage de cette vidéo. C'est un petit peu triste. Je l'ai commandé il y a à peu près une semaine, mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup de commandes que j'ai pas reçu malheureusement. C'est pas grave, je vous dirai sur Instagram quand je le recevrai ce que j'en pense. Ou bien même dans une deuxième partie, si vous voulez une deuxième partie, voilà. Comme fan de Choco vous l'a demandé, mettez 7000 pouces bleus et je ferai peut-être une deuxième partie où je testerai d'autres objets. On poursuit avec le prochain objet, ni plus ni moins. Je sais pas si vous connaissez, pour ceux qui connaissent, c'est la marque de Romy. C'est une youtubeuse et instagrammeuse, elle est connue sur Insta, qui fait des vidéos vlog, etc. Qui détient également une petite marque qui s'appelle Glacé. Elle vend plein de choses, elle vend des bijoux, des sacs, ça tend un peu plus sur le prêt-à-porter, il me semble. Donc là, c'est vraiment cool, je suis contente de son emballage, parce qu'elle a pas mis trop de papier bulle, etc. Pour le coup, c'est sympa, genre c'est une pochette que je pourrais réutiliser de mettre de côté. Et il y a littéralement un petit... c'est un pansement. Mais non, c'est pas un pansement. Mais si, c'est au cas où je me ferais mal, comme d'habitude, je vais les mettre ça de côté, c'est sympa. Ah, j'avais acheté deux choses. J'avais acheté une bague et des boucles d'oreilles. Donc je vais littéralement tester ça avec vous et j'espère que c'est de la bonne qualité. On va commencer avec les petites boucles d'oreilles qui ont l'air d'être cute. Ok, j'ouvre ça. Je vais dans un premier temps retirer mes boucles d'oreilles. Je vous montre, dans une petite boucle d'oreille, c'est genre un cœur. Et la deuxième qui est une petite clé toute mignonne. J'espère que ça va être beau. Oh, regardez. Franchement, je trouve ça trop cute. Genre franchement là, 20 sur 20. Bravo Romy. Je suis contente. Des boucles d'oreilles, pour le coup, franchement, je trouve ça mims. On poursuit avec la petite bague. J'espère avoir pris la bonne taille. Je vous avoue que j'ai pris la première taille qu'il y avait devant moi. Et je suis bête, j'ai pas vérifié la taille et tout. Et mon doigt, il passe pas, attendez. Oh, j'ai des gros... Oh, quel catastrophe. J'essaie de la mettre, mais j'ai des trop gros doigts. Elle est trop belle, mais ça rentre pas. Non. Elle était trop belle, la bague est trop belle. En plus d'avoir des doigts de bébé, j'ai des gros doigts. En vrai, je suis désolée, mais elle est beaucoup trop belle. Ah, on était parti sur un sans faute. 20 sur 20. 20 sur 20 pour tous les produits là de Romy. Je trouve qu'elle s'est pas foutue de ses abonnés. Et les bijoux, généralement, c'est soit genre des trucs dropshipping et tout. Donc là, rien à dire. Bravo. Bravo, Romy. On passe maintenant encore à de la nourriture. Si je vous dis damn la team shape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Donc là, vous l'avez. Vous l'avez. C'est Thibaut in Shape qui a sorti sa marque de nourriture. Qui a sorti sa marque de plein d'autres trucs. Mais moi, ce qui m'intéresse, comme d'habitude, c'est de la bouffe. Donc j'ai avec moi sa pâte à tartiner. Mais évidemment, on va goûter de la pâte à tartiner comme ça à la cuillère. J'ai également acheté de la poudre à pancake. C'est même pas moi qui les ai fait, c'est ma maman que j'aime trop. Je te fais des gros bisous. Maman, si tu passes par là, et mes petits chocopops, si vous pouvez écrire dans les commentaires, merci maman de choco de les avoir cuites, parce que sans elle, il n'y aurait pas eu de dégustation. Je sais pas que... Bref, anyway, on va pas parler ça en vidéo. J'ai donc avec moi les petites pancakes. Alors franchement, Thibaut, j'espère que c'est bon. J'espère que tu n'as pas blagué avec nous. Déjà, j'ai envie de regarder la composition. Il y a glucides, 30 grammes, dont sucre, 2,4 grammes. Les gars, c'est une dinguerie. Il n'y a pas du tout de sucre. Et on a juste ici les petites pancakes que ma maman a cuit. En gros, elle a mis la préparation donc de InShape Nutrition. 44 grammes de protéines. C'est énorme. J'espère vraiment que ça va être bon. Ok, oh là là. On peut pas finir sur un sur une déception. Ok. Oui, j'étale comme ça. Il y a quoi en fait? C'est quoi le problème? Et je plie. Il y a que moi qui dois plier des pancakes, je pense. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Alors, pour le coup, je suis... j'aime bien les pancakes. C'est le Nutella que je suis pas très fan. Attendez, je vais goûter carrément comme ça. Hein. Ouais. C'est un arrière-goût Nutella. Moi, je suis pas très fan. En fait, je pense que c'est juste que je suis grave habituée au vrai Nutella. Genre au Nutella avec, avec grave du sucre et tout. Et là, pour le coup, il y en a pas. Mais franchement, je vais goûter un pancake nature. Non, c'est trop bon. C'est léger, vanille, chapeau. Chapeau, chapeau. Juste pas très fan de la pâte à tartiner, mais bravo. Bah les amis, je trouve que les youtubeurs se sont très très bien sortis. Qui sait, un jour je sortirai peut-être ma marque aussi. J'ai en cours... Ah! Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura pu faire découvrir les produits avec moi. Je vous fais un très gros bisous. Et on se dit à très bientôt, bye! Les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter, ma vidéo s'affiche à l'écran. Donc n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.